Alors, salut Thibaut. Alors, première question, peux-tu faire un petit récapitulatif de cette saison régulière? Eh ben, écoutez, on fait une très bonne saison. Au niveau de la coupe, tout le monde sait qu'on allait jusqu'au bout, que ça s'est fini de la plus belle des manières. Donc forcément, ça permet d'engranger un maximum de confiance. Et puis, en ce qui concerne le championnat, on a eu un début relativement difficile. On avait commencé par ces trois grosses défaites qui nous ont fait un petit peu mal. Et puis au fur et à mesure, on a su bien relever la tête. Et puis on finit en beauté avec 12 victoires d'affilée. Donc vraiment une très bonne première partie de saison et très satisfaisante. Très bien. Alors, deuxième question. Nous avons vu que Jacques Bernat était là définitivement. Est-ce que ça te permet de mieux gérer tes entraînements ou quoi que ce soit? Alors c'est sûr que c'est un plus pour nous. C'est quand même la première fois de la saison où il peut être là à tous les entraînements. C'est forcément un avantage parce que ça me permet d'avoir mes trois lignes complètes et de pouvoir les faire travailler tous ensemble. Pour les automatismes, c'est quand même un petit peu mieux. Et puis surtout, ça peut me permettre aussi de mettre en place un deuxième power play qui peut permettre aussi un petit peu de changement si toutefois le premier marche un peu moins bien ou si on veut faire tourner un peu, si des joueurs sont en prison, entre autres, ou quoi que ce soit. Donc non, non, on est très satisfait de sa venue et je trouve qu'il amène vraiment beaucoup à l'équipe, donc c'est très positif pour nous. D'accord, et donc à 2 jours des playoffs, quels sont tes objectifs et tes attentes jusqu'à la fin de saison? Et ben oui, l'objectif c'est de forcément d'aller le plus loin possible. Avec l'équipe, on s'est pas imposé un but à atteindre ou quoi que ce soit. On sait que voilà, on veut avoir aucun regret, on veut vraiment se donner à fond sur tous les matchs et essayer d'aller le plus loin possible. Après, forcément, mes attentes personnelles, comme je l'avais déjà dit, pour moi, c'est ma dernière saison, donc forcément, j'aimerais terminer en apothéose. Donc voilà, déjà, d'avoir eu cette Coupe de France, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça a été un moment vraiment très, très intense. Et c'est vrai qu'en championnat, oui, de temps en temps, on se prend à rêver de pouvoir aller jusqu'au bout, même si on sait que ça va être très, très compliqué. Mais voilà, personnellement, on y rêve un petit peu, donc voilà. Très bien, merci Thibault. Merci à toi, Lambert.